Bonjour à tous, ici Eric Knight MC, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 18 sur Zelda TOTK. Il est temps de continuer l'aventure après s'être laissé, ni plus ni moins, ici, hein, j'ai envie de dire. Hop. On va juste grimper ici parce que je pense que là-haut, avant de sauter, il doit y avoir quelque chose. Hein. Ah, ouh, par contre... Ah non, je vais pas pouvoir grimper là par contre, là, c'est sûr et certain. Merde. Bon bah tant pis. Tant pis. Donc comme j'ai dit, on va fabriquer un truc. Voilà, on va fabriquer un planeur. Sortir. Voilà. Alors mets-le-moi ici. On va se sortir une turbine. Hein. Voilà, nickel. On va se le mettre. Alors maintenant, je vais pas pouvoir le piloter, hein, mais ça c'est pas grave. Alors comment le lancer? Comment le lancer? Bah tu fais comme ça. Tu mets dessus là et tu fais ça. À condition que ça marche quand même. J'espère que je vais pas le faire tomber. Hein. Faut surtout pas qu'il tombe. Ok, vas-y, prends ça. On va essayer de faire comme ça. Pourquoi clignote? Il va disparaître? Pour une raison totalement obscure, le planeur disparaît au bout d'un moment. Ah, d'accord, ça c'est bon à savoir, ça. Je pensais que c'était infini en fait. Bah écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Bon là, par contre, il risque de faire très froid ici. Hein. Il y a à nouveau une étoile filante qui tombe, j'y crois pas. Va falloir escalader tout ça, vraiment. Je sais pas si ça va être possible. On va voir.
On va voir si on peut trouver peut-être un sanctuaire à la limite à côté, comme ça on peut se re-téléporter ici, parce que en fait le mieux ce serait d'aller chercher des capsules Sonao, des roquettes, parce que c'est le meilleur moyen pour grimper hein, vraiment. Et là je sais que j'en ai plus, donc bon. Je pense que ça pourrait être la seule technique. En tout cas, c'est la toute dernière tour, celle-là. Là. Grimper. Alors en fait, le souci, ça va être là. Ouais, le souci, c'est ça en fait. Oh, qu'est-ce que ça? What the fuck? Source de la sagesse. La statue matriarche de la déesse, celle qui repose dans une profonde gorge. Je ne sens plus sa présence. Je t'en prie, preux chevalier, rapporte-moi des nouvelles de la statue matriarche. S'il te plaît, je t'en supplie. La statue de la source de la sagesse. C'est de la quête annexe, ça. Bon, ceci dit, on peut continuer de monter, c'est cool. Elle a l'air accessible cette tour, hein. Mais j'ai bien l'impression qu'elle va nous porter, elle va nous mettre des complications dans les roues celle-là. Je sais pas pourquoi, c'est la dernière, la toute dernière, et en général les toutes dernières. Bon, déjà on a pu y accéder, c'est cool. Ah non, en fait la porte est, on peut l'ouvrir. Alors, on peut l'ouvrir, je sais pas. Ah oh, oui, elle a rien, regardez, elle a rien du tout. Voilà, c'est bon. Ok. Ouais, il faudrait que je puisse monter là-haut. Hein. On va essayer d'aller monter là-haut. Il y a un sanctuaire en bas. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose tout en haut là. Et voilà. La carte est cartographiée au complet. Nous n'avons plus de tour à activer. Vous avez débloqué la totalité de la carte de la surface. Oh yeah. Vous avez débloqué la totalité de la carte du ciel. Et du coup, nous n'avons plus rien à faire avec. Bah avec, avec ça en fait. Hein. Donc moi ce que j'aimerais c'est monter tout là-haut là. Avec le pouvoir là qui permet de traverser les plafonds. On va voir si on peut faire quelque chose. Parce que j'ai l'impression, j'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose là-haut en fait.
Ah, déjà. Oh merde. L'autre il me tire une roquette comme ça, tu sais. Vas-y, ça fait quoi ça si je tape ça? Trop bien ce machin. En fait, on a la possibilité de piloter avec le truc, en fait, c'est trop bien. Là, on va se... On va se servir de ça. Alors qu'est-ce que ça fait si je mets un illimité dedans? Lance-glace. Miroir. Réfléchis la lumière produisant un puissant rayon oriental qui illumine les ténèbres loin devant vous. Batterie de recharge. Rechange. Qui concentre l'énergie sonore afin de transporter plus facilement au cerveau de cette énergie pour activer d'autres artefacts sonores. D'accord. Ça fait quoi si je prends ça et ça? On va... Ouf. Ok. Ah, il nous en faut. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. Et voilà. On s'est rechargé un petit peu en capsule sono, c'est cool. Est-ce qu'on a eu des roquettes ? Non, on n'a pas eu de roquette. Ok. Est-ce qu'il marche celui-là? Il marche, ouais. Aïe! C'est quoi ça?
Fais offrande en sanctuaire du cristal qui indique la lumière, alors tu recevras la lueur qui chasse le mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Le sanctuaire céleste de l'Anel? C'est quoi ce truc? Oh non. Attrape-le. Mais... Non mais... Qu'est-ce que c'est que ce machin? Mais... Ouais. Là, on est passé en mode full exploration, les gars, je vous le dis. Rien là-dedans? Ouais, mais j'ai pas de flèche, putain! Fruit de clarté. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Planeur et tout là. C'est quoi ça? On dirait un... Ok, on s'est fait un skateboard. Ça j'avais vu dans une vidéo, c'est vrai. Alors on a toujours ça, si. Ouais. Et ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Soulever? Il y a un laser. Oh! Est-ce que c'est pas le truc qu'il faut qu'on ramène J'ai bien l'impression que si, en fait.
qu'on ramène ça. Ok, c'est bon. Coller. Que le poids soit équilibré. Ok, c'était trop bien. C'était juste trop bien. J'ai maîtrisé. J'ai maîtrisé. Qu'est-ce que ça fait ça? What the fuck? Toi qui présente ce cristal en offrande, ressens la lueur qui chasse le mal. Ouais. Ça fait apparaître un sanctuaire. C'était une graine de sanctuaire. En fait, le caillou qu'on avait, ça avait la forme d'un sanctuaire. Eh, mais ce jeu, il est beaucoup trop bien, en fait. Hein. Franchement, je ne cesse... En fait, d'épisode en épisode, je ne cesse d'être épaté, en fait, par ce jeu. C'est incroyable. Il n'y a rien qui est bâclé, en fait. Y a rien. Guidé par la glace. Ok. Faut ouvrir cette porte.
Oh. Ce qu'il faut faire là. Ok. Non. On peut dire que le truc est déjà là quand même. C'est pour avoir le coffre, hein, très clairement. C'est vraiment con, hein. Fallait juste faire un peu de pifomètre et ça passe quoi. Tout ça pourquoi ? Un bouclier somium. Ah vas-y on prend par contre, ça c'est de la bombe. Échanger. Voilà, c'était tout ça pour ça. Eh ouais hein, les gars. Eh ouais, ouais. C'est notre troisième. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir se faire un cœur en plus hein, dans cet épisode. C'est déjà. Attendez, il y a des sanctuaires absolument partout. Ah. Bon, la question en fait, c'est est-ce que je pense qu'on peut monter là-haut hein. Ce serait con qu'on puisse pas quand même. Hein. Vous en doutez un petit peu, je pense. La question c'est... Je vais tomber ? Non, je pourrais pas. Technique, c'est de faire ça. On va pouvoir grimper comme ça tout en haut grâce à ce truc là. Et je pense qu'en haut il doit y avoir quelque chose. Oh
En haut, il y a quelque chose, c'est sûr. C'est tellement stylé, sans déconner. Oh, j'espère que je me suis pas fail. Oh, je pense pas, mais... Je veux voir ce qu'il y a tout là-haut. Ça marche. J'espère qu'il y a un bon truc là-haut, mais... Je sais pas. Mais ce pouvoir, franchement, c'est... Ce pouvoir, c'est une dinguerie, quand même. Franchement, c'est... On n'est pas d'accord, quand même, que c'est quand même le meilleur pouvoir du jeu. C'est... Ok, on arrive presque tout en haut, hein. Qu'est-ce qu'il y a en haut? On est d'accord que... Non mais il y a quelque chose là-haut, regardez. Moi je veux voir ce qu'il y a là-haut. C'est obligatoire. Je peux pas couper l'épisode comme ça sans aller là-haut. C'est quand même une montagne. C'est quand même des... Enfin, je veux dire, une île qui est extrêmement haute. Je veux dire... Bon, celle-là aussi, là-haut, elle est hyper haute, mais... Quand même. Elle était quand même vachement haute, celle-là, quand on la voyait dans le ciel. Alors, j'espère que... Ouf. J'espère qu'on va pouvoir y aller, hein, parce que ça me paraît... Ça me paraît très haut, ça, pour le truc infiltration. J'ai l'impression que... J'ai fait ça pour rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça m'intrigue aussi, hein. Je sais pas ce que c'est que cette espèce de bidule là. Mais... C'est étrange. Putain, regardez avec le lever de soleil là-bas. Oh, putain, c'est magnifique, hein, franchement. Regardez la vue qu'on a, quoi. Ouais, et donc du coup... Ça veut dire que là... Oh non... Mais il y a un truc là-haut. C'est pas possible. On n'a pas fait tout ça pour rien quand même. Putain, si j'avais des roquettes aussi. Pourquoi ils m'ont pas donné de roquettes ? Bon, on aura la possibilité de revenir, hein, ça c'est pas le problème. Mais il y a quelque chose là-haut. Tant pis. Est-ce qu'on aurait moyen de trouver des sanctuaires là, enfin un petit dernier là. Déjà ça là en bas là. Vous voyez ça là. Ça j'ai bien envie de le faire ça.
Ah putain, j'arrive pas. Ce qui pourrait être le... Je pense que le trou... L'alarme doit être potentiellement ici, là. Ouais, c'est sûr, regardez. Voilà, on y arrive, on va se taper une cinématique, les gars. J'espère que vous êtes chaud. C'est parti. Votre Majesté, nous venons d'apprendre que le dernier village du désert Gerudo venait lui aussi de tomber entre les mains de l'ennemi. Nous ne pouvons plus contenir davantage les assauts de l'armée du roi démon. J'en suis conscient. Je me chargerai en personne d'arrêter notre ennemi. Raoru, le roi démon est trop fort. Tu n'es plus en mesure de lui tenir tête tout seul. Toutefois, tu n'es pas seul, justement. Les chefs Gerudo, Goron, Naboris, Zora Daruk et Piaf sont là. Ainsi que Zelda. La Zora, là, je sais plus comment elle s'appelle. Bien sûr. Nous sommes tous à tes côtés. Urbosa, c'était Urbosa, Daruk et... Je voudrais vous montrer quelque chose à tous. Evali, c'est ça, voilà. Prêtez-moi tous vos forces. Je vous en fais la demande. Les cinématiques, mon gars, elles sont... Les cinématiques, franchement, elles sont d'une... Elles sont d'une intensité, mon gars, c'est incroyable. Une entrée a été ajoutée à la section souvenir d'aventure. Elles sont d'une intensité, ces trucs, c'est... Non, mais c'est une dinguerie, hein. Franchement, je...
C'est une véritable dinguerie. Là, c'est... Voilà. Il n'y a pas d'autre... Mais il n'y a pas d'autre mot, en fait. Incroyable, les cinématiques. Donc, comme dit, si on retrouve d'autres géoglyphes, on les fait. On les fait. On ne cherche pas à comprendre. Il y en a d'autres, hein, ça c'est sûr et certain. Mais... Il y en a qui vont être un peu plus compliqués à trouver la lame, parce que... Il faut bien trouver un trou... Faut se mettre en vue du dessus, hein, c'est ce qu'Impa nous avait dit. Hein. Bon, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se catapulter dans le désert. On va vite faire un sanctuaire, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un géoglyphe? Est-ce qu'il y a un géoglyphe? Là-bas, il y en a un. C'est la tabette, ça c'est la tabette proua, ça. Ou la tabette Sheikah, je sais pas. Alors le truc c'est que là on va aller dans le domaine Zora. Mais bon c'est pas grave. Mais c'est juste pour faire le sanctuaire. Juste pour avoir une lumière bienfaisante. On va pas rester trop longtemps ici, histoire de pas trop découvrir pour l'instant, parce que c'est pas la quête. Moi je vais juste faire le sanctuaire qui est là. Passer. Hydroélectricité. Donc ça va être à base d'eau. Bah forcément on est au domaine Zora. Hein. Ok, qu'est-ce que c'est que cette saloperie? What? Attends, il y a quoi là-dedans? Il y a des boules là. Let's
comprends pas ce qu'il faut faire. Grande baguette magique. En fait, la question c'est... Qu'est-ce que je suis censé faire ? Regardez qu'il faut un courant là. Ah, ça fait quoi ça ? Ah, est-ce qu'il faut pas que je le remplisse d'eau peut-être ? Ça fait quoi si je le mets dans l'eau ? Ça s'est chargé en jus. Vous avez vu ? Là, elle est chargée. Ensuite, si je pose ça là. Ok, c'était le temps de comprendre en fait. C'était assez étrange, mais c'est fait. Ok. Voilà. Bon, on va pouvoir se téléporter au village Piaf. Aller à la Décilia, se donner un cœur et potentiellement retourner au village Goron. Puisque là-bas, c'est donc la suite de la quête principale. Voilà. Du coup, attendez. Tac. Village Piaf, c'est par là. Ok. Hop,
Voilà. Hop. Un cœur en plus. Yes. Ok, du coup, la montagne, elle est là. On va se laisser là-bas, du coup. Et ouais, on va se laisser là-bas, du coup. Et bah, on va se donner rendez-vous la fois prochaine pour continuer l'aventure. Bien évidemment, ça ne change pas. Et bah, voilà. Voilà, voilà, on aura fait pas mal de choses. On aura activé, du coup, la dernière tour, ça c'est cool. Ce qui fait que maintenant, on a toute la carte complète. Voilà. Ça, c'est trop bien. On aura fait aussi notre première quête de sanctuaire, pour faire apparaître un sanctuaire, et c'était trop stylé, la façon dont on doit activer le truc. J'ai vraiment bien aimé. Donc on se laisse ici, pour cet épisode, et puis voilà, la fois prochaine, bah, on va commencer donc la quête, pour le deuxième temple, tout simplement, pour se diriger vers le deuxième temple. Et donc voilà, donc je vais juste vérifier, peut-être dans le journal d'aventure... C'est où? Là. Voilà. C'est ici. Yunobo du village Goron. Voilà. Les habitants du village Goron ne peuvent plus s'empêcher de se goinfrer de sa broche. Il semblerait que Yunobo ait une jeune femme blonde. Sans derrière tout ça. Yunobo et ses acolytes sont retournés au siège de Yun Essi, où une livraison de sa broche doit avoir lieu. Voilà. Donc c'est là-bas qu'il faudra qu'on aille la fois prochaine pour continuer l'aventure. Sur ce, les amis, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Pensez au pouce bleu, ça fera super plaisir. Et on se donne rendez-vous très très bientôt pour la suite. Bah, à savoir demain, hein, comme d'habitude, ça ne change pas. Le rendez-vous quotidien à 10h tous les jours. Et donc voilà. Sur ce, les amis, merci à tous et à la prochaine. C'était Iconite. See you next for the next episode. Oh yeah.